Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3 en avenir. Retrouvez le DLC de Xenoblade Chronicles 3. Nous allons continuer notre aventure. Faut que je monte par là. Faut que je répare cette échelle. Peut-être, je ne sais pas. Voyons voir ce que l'on peut faire. Je sais pas si c'est par là. Hein. Ça m'a pas l'air d'être vraiment ça. Hein. Non, ça m'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi tu grimpes plus? Tac 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 tac. Oula, il y a un œuf géant là. Œuf de Taos. Il y a une scène d'entente également. Bon, on va aller la voir. On aperçoit l'île prison d'ici. Cette montagne enneigée, elle ressemble au pic de Cap Tocorn, dans les hauteurs d'Aesia. Ouais, il doit y faire horriblement froid. Il ne s'agit pas que du massif de Valak, il y a aussi des morceaux d'Alrest. Ah, oui, à en juger par les ruines tatanlaises, le massif a dû fusionner avec l'intérieur de Genbu. Haha, lol, oh, on voit le château en fond, j'aimerais vraiment pas me perdre dans un endroit pareil. Ah oui d'accord, il y a vraiment pas grand chose, mais ok, c'est une fusion de l'île prison et du reste. Est-ce qu'on se fait l'œuf? J'ai un peu peur. Parce que j'ai l'impression que ça va... Ouais, voilà. Ça va éclore. Hein. Derrick l'increvable. Salut Derrick. Ouais, voilà. C'était sûr. C'était sûr. Bon, est-ce qu'on peut se le faire? Ça me paraît un peu compliqué là en vrai. Sur mes chutes. Enfin mes déséquilibres là. Ça pique un peu ça. C'est bien. C'est qui? C'est bien ok. C'est bien Nicole qui prend. J'allais dire Valdi hein. Je viens de tourner l'épisode avec Alexandria et Valdi. Et du coup. Il n'y a plus. Ah mais si. Non non! Ah, il était déjà chuté. Et zut. Bon, ça pourrait être faisable. Non, la glimmer, elle a pris cher. Non, glimmer. Ok, si, hey, la res. Dommage, on l'avait déséquilibré, mais... J'ai loupé le... Le reste. Il va être déséquilibré. Non. Dommage. Il aurait pu. Ah, c'est rare de le déséquilibrer lui en plus. C'est dommage de l'avoir loupé. Ouais. Dame. Hop. Là, il y a la chute. On pourrait faire un pouvoir de vision à tout moment. Ok. La chute. Éjection s'il vous plaît. Ok nice, parfait. Et on va faire la projection. Comme ça il éclate. Cyclone de flèche. Bon, il a pas tant éclaté que ça. Hein. Il y a redéséquilibre. Il peut y avoir une autre chute là. Non, dommage. À moins que je puisse spammer. Ok, il y a eu la chute, parfait. Est-ce qu'il va y avoir l'éjection? Il y a l'éjection. On va faire l'enchaînement. C'est parfait. Alors, hymne ardent, génère 30 PV ou non. Ouais, on va plutôt faire ça. Parce qu'on n'a pas besoin de réactiver. 3. On va essayer de le garder pour la prochaine fois. Commencer par un... C'est qui a le 125%? C'est toi, oui, c'est pas très intéressant. Multiplie par 150, non, c'est ça, on va faire Nicole. On va faire Nicole, paf. Ça, on a le 150%. D'ailleurs, si je mets un... DPS, on est à 25, ça ira pas. Hein. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, on va faire juste celui-là.
92. Ouais, on va quand même faire Shulk. Comme ça, ça va me ramener 100% Nicole. Ça me fait 1, 2, 3. Danser et lever les bras. Pin, 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 pin. Réactivation. Et oui, là, on aurait bien aimé avoir A en fait. J'aurais dû garder A. Matthew, il est avec Glimmer. Shulk, on va faire Shulk. Hein. Non, j'ai deux temps. Ouais, si, on a pas trop le choix. Comme ça, je peux faire Nicole. Il monte très haut, très vite, très bien. Et c'est pas mal du tout. Hop, tranchant libérateur. Parce que quand on va faire la fusion d'art là, ça va faire une explosion magnifique. Alors, là faut que je fasse A, hey, on est d'accord. A, hey, elle est avec Matthew. Donc parfait. Coup critique, on va faire ça. Passe à 125. Pas trop d'importance en vrai. Normalement, le Glimmer, elle peut passer. Hein. Enfin, j'espère. Normalement, oui. Parce qu'elle a ça. Normalement, c'est plus considéré comme un support et ça passe. J'ai pris des risques quand même. Ouais, ça va. Ouf. J'aurais peut-être pas dû jouer avec le feu comme ça. Hein. Surtout que j'ai perdu les 125. J'aurais dû d'abord me mettre. Ouais, mais ça serait pas passé. Ouais, bref. Bizarre. Enfin, bizarre non, mais tant pis. Avalanche lumineuse. Tellement stylé cette image. Let's go. Alors. Il faudrait que je mette elle à la fin. Donc 45. Si je mets 31, ça passe à 40. 50. Elle va passer, ça va passer. Donc on va faire 24. On va faire le 24 plutôt. Ah ben non, c'est un 125%. Donc non, c'est très con. Oh my bad. Non bah du coup j'aurais juste le... je pourrais juste faire toi. Ouais, j'avais pas capté que c'était... J'aurais dû faire directement... Glimmer en fait. Est-ce que ça aurait changé quand... Ouais, je sais pas si ça aurait changé quelque chose. En vrai. Je suis pas sûr. On va quand même monter au 250, ce qui est quand même pas mal. On aurait pu faire un peu mieux, mais c'est plus difficile tant qu'on n'a pas les... Comment dire, les bonus d'armes. Méga écrasement, là ça doit faire quand même pas mal de dégâts. Ouais. Ok. Ça fait pas mal de dégâts là. Ta la la. Allez, vas-y. Normalement là on est increvable. Pas de monado. Ta la la. Ta la 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 la. Perce garde groupe, vas-y. Déséquilibre. Ta-la-ta. Éjection. Explosion. On va plus être enragé. Je crois que c'est ce que fait l'explosion, non? Rayon sacré. Voilà, parfait. Hop. Vous me faites peur, tu me fais peur là toi Nicole, là, à être proche du bord comme ça là. Ça c'est un échec pour tous. Déséquilibre. Chute. Éjection. Projection. Et voilà. Derrick l'increvable. Il va finir par crever, j'espère. Méga écrasement. Ouais, il a pris quelques dégâts quand même. Hop. Ah, il est re... Il est re-énervé.
Ma fille, il a pris un peu cher. Ta la la, ta ta la. Déséquilibre. Petite chute, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a une chute, là. Voilà, une chute. Une éjection. On va faire l'explosion. Comme ça, il calme ses ardeurs. Doulon. Un rayon sacré. Et voilà. Allez, vas-y. Bon, ça devrait le faire. Hein. Faut pas relâcher notre garde, mais ça devrait le faire. Ouais, Mathieu, là, tu prends super cher. Hein. Comment ça se fait? Il est encore à l'autre bout du monde, c'est ça? Oui, Mathieu. Qu'il est là. C'est bizarre que tu prennes cher comme ça. Bon, au pire, on a un enchaînement bientôt. Si on est vraiment dans la mouise, on peut enchaîner. Ça devrait le faire quand même, mais... Avec increvable. Ce serait plus safe de faire ça avec un enchaînement, mais ça va être long. Ta-da. Ah! Ouais, alors du coup, on va faire un enchaînement. Hein. ça sent le roussi là, on va faire l'enchaînement, tant pis. Il va juste crever rapidement et puis c'est tout. Non, là j'avais. Ça m'a fait flipper son truc là. En vrai. En vrai, j'ai pas apprécié du tout là. Ouais, 150% 36, ça fait vraiment que dalle en fait, c'est déjà le problème. J'aurais mieux fait. Voilà, hop. Bon, moi il meurt. Ça dégage. On va arrêter l'enchaînement. Hop. On l'a buté. Leçon de l'Union, volume 5. Derrick l'Increvable. Et ben voilà. Hop. Et bon, on a bien géré en vrai. Je dis on, mais je suis tout seul, mais. Je vous inclus dans vous avez bien géré. Alors, il y a un raid. C'est qu'on va le sauvegarder. Je pense que le système l'a fait, hein. De sauvegarder automatiquement. Et non, vous voyez, sauvegarde auto, Val nostalgique. Donc on n'y est pas du tout. On va sauvegarder, parce qu'on vient quand même de se battre un boss. Si jamais on meurt dans le raid, parce qu'on est un peu bêta, ça m'embêterait, quoi. Viens là, toi. Tintintintin. Tape-moi. Voilà. Niveau 40. On a gagné un niveau en battant l'autre là. Parce qu'on était 39. C'est plutôt pas mal du coup. Hop, lui il dégage. Parfait. Viens là toi. C'est la chute. Sélection. On n'a pas le reste. Donc tant pis. Hein. Il en reste un. Qui en a buté vos potes. Viens là toi. Mais arrêtez d'avancer vous là. M'embêtez les copains. Après ils vous agressent vous et c'est chiant. Ok, je ne peux taper que lui là-bas au fond, c'est ça? Ah, c'est ça. Hop. Ok, c'est bon. Tant qu'il n'y en a que deux, je pense qu'on peut les faire. Il faut pas qu'il y ait les potes qui arrivent. Tatin. Ok, je me suis trompé. De toute façon, il est mort. Hop. Tadam. Enfin, l'avantage, c'est quand il y a pas mal d'ennemis, c'est qu'on garde notre charge dans les trucs. Ah, ils nous ont vu.
Damn. Ah, mais c'est le poteau qui nous avait vu. Damn. Bon, bah, va falloir y aller. Va falloir y aller comme ça. Hein. Comment ça, Glimmer, elle prend l'aggro. Ah! Saloperie. Voilà, y a un gros problème là. Y a un gros problème. Ça me plaît pas du tout. On est en plein milieu. Barrez-vous. Ouais, quoique. Est-ce qu'on peut passer là? Est-ce qu'on peut passer? Élection, ça peut passer hein. Hostilité, c'est Glimmer qui prend l'aggro, ça va pas du tout. On arrive à les tuer petit à petit, ça peut le faire. On essaie juste de prendre l'aggro. Le problème, c'est lui là. Il prend l'aggro des DPS, des supports, c'est pas bon. Voilà, prends l'hostilité. Ok, faut tuer les petits. Aïe. Sens pour tout le monde. Ah, on a perdu Aïe. Glimmer qui va mourir bientôt. Oh non. Oh, ça elle l'a remis. On en a perdu Glimmer. Aïe. C'est nous qui prenons l'hostilité. Ah merde, Nicole est mort. Ça, ça va pas du tout. Ce qui est bien, c'est que... Pendant que je fais ça... Oh, ça c'est intéressant. Pendant que je fais mon A, par exemple... Mes alliés qui raisent encore. Ok, là, c'est un poteau. On va prendre juste l'auxilia. Ben voilà. On a géré, lol. On a vraiment galéré, hein, pour le coup. Vraiment du grand n'importe quoi. Ta 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 ta. On va faire ça. Non, on va faire ça. Et si je finis par toi, ça doit le faire quand même, non? Tu montes pas à 30, sérieux? Ah ouais, non, mais là, t'abuses. T'abuses, Shulk. Il est abusé un peu. Bon, il va mourir le truc, hein, mais... L'enchaînement qui arrive quand même à point nommé. On va pas se mentir. On va faire A, mais à mon avis ça suffit l'argent. Hop. Paf. Ça a rien fait. Il va quand même mourir, voilà il meurt. Parfait. Vitesse d'éclair. Bonus XP. Est-ce qu'on se les bute pour le bonus XP? On continue pour le bonus XP? On pourrait, hein. On pourrait. On a qui? On a Aïe. Et Glimmer. C'est Rex. Rex ou Matthew? Prendre Rex. Va. Paf. On va faire l'éjection. Juste parce qu'on peut voir. Parce que 500% de bonus XP, moi ça me plaît bien quand même. Ouais, ça va être pareil. Hein. Mettre Rex, hein. Paf, paf. Ok, bon, allez.
Ouais, 610 bonus XP, ça vaut le coup quand même. Et en sacré, 700. Moi, ça me plaît bien. Hein. Tadadana. Il reste plus que le panneau. Hop. Paf. Au emblème de Keves. Il reste 3 blaireaux. En vrai, si je tue le panneau d'abord. Si je tue le panneau. Les autres, ils s'en battent les steaks complets. Leur colonie s'est fait rétamer derrière. Il y a 6 individus qui sont en train de défoncer leur emblème. Ils entendent rien, ils sont sourds. C'est bête de mettre des gardes sourds quand même. C'est embêtant. Ah, ça y est. Ça y est, c'est réveillé, c'est dit. Oh merde! Oh zut, quand même! Ça a été dommage. C'est dommage. C'est là qui est vicien. Et toi? Là, faut pas tomber. Parce que si tu tombes, je pense que tu fais niquer ton raid. Et là, ce sera un peu dommage à ce moment-là. À ce moment-là du raid. Genre un peu les boules. Hop. Ben voilà, avant-poste Kevésien. 20 PE. Hop. Parfait. Je pense qu'il faut que je descende. Hein. Peut-être pas. Un truc d'intérêt apparemment. Est-ce que c'est un kit? Non, c'est un fragment noir. On en a besoin pour les ascenseurs, ça, je crois. Les ascenseurs éthères. Ouah là. C'est dangereux la remontée, là. Mais... Et non, je peux pas aller à la place. Non, mais... Ah, le danger, quoi. Ah, j'ai galéré. Tout, j'aurais pu sauter, peut-être, non? Ah, j'aurais peut-être pu sauter. Ah, ouais, non, c'est haut, quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tin, tin, tin. Par contre, les copains. Voilà. Si vous pouviez y venir. Ce serait pas mal. Ok, ça dégage. Très bientôt. Hop. Il y a Ekevésien. Ok. Quick and painless. Paf. Bonus simulation, charge pesante. Paf. Tadam, tadam. Il y en a un autre là. Parfait. On va aller taper l'autre. Et non. Et non, non, non. Bon, on va juste faire ça comme ça. Bon, il nous agresse, évidemment. Allez. Bon, agis. Le machin qui... Le machin qui vole, mais c'est... Mais lul. Il se recasse la gueule. Ouais, il a vraiment un équilibre de merde. Hein. Waouh. C'est l'éjection derrière. Ouais, on est pas très proche. Hein. À l'époque, quand on avait le Matthew Shulk, marchait bien parce qu'on avait vite... Un machin. Mais là, comme ils sont dorés, c'est quand même vachement pratique.
c'est quand même vachement pratique. Hop. Alors, qu'avons-nous d'autre? Un durian rouge. Encore un durian rouge. Est-ce que je vais au bon endroit déjà? Ça m'a l'air d'être le cas, il y a une quête là, c'est ça? Événement de quête. Attendez. Un événement de quête, on va aller voir ça. J'allais derrière, on est d'accord, ouais. Il y a une faille là, une faille des brumes. Événement de quête, il y a un feu, il y a un truc, c'est ça? Il y a un quelqu'un. On va aller voir ce qui se passe. J'ai trop. J'ai trop d'argent. Non. Spoiler, non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que tu es Matthew, le petit-fils du vieux maître? On s'est déjà croisé, non? Tu connais grand-père? Je m'appelle Jethro. Il m'est arrivé de croiser le fer avec ton grand-père autrefois. Ça marche aussi. Si tu le prononces Jethro, ben voilà. Quand tu fais une game de merde sur Overwatch, Jethro. J'avais entendu que la colonie 9 avait reçu du renfort, mais je m'attendais pas à tomber sur toi. Content de voir que tu vas bien. Pareil, et donc, qu'est-ce qui t'amène? En ce moment, j'aide les libérateurs à retrouver les survivants de la cité. Ah. La musique s'est calmée d'un coup. Ah, entre nous, ça a pas l'air de se passer à merveille. Rien ne t'échappe. Au cours d'une patrouille, je suis tombé sur des gens de la cité attaqués par des soldats kévésiens. J'ai essayé de les sauver, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais tu vois le résultat. Qu'est-ce qui leur a pris de riposter contre des soldats chevronnés aussi? Est-ce qu'on peut vous aider? Merci de le proposer, vous pourriez nous aider à rassembler leurs affaires si ça ne vous ennuie pas. Pardon? Nous autres à la cité, on se transforme en lumière lorsqu'on meurt. Alors on récupère les vêtements et les armes de ceux qui sont tombés, et on les rapporte à leurs proches, c'est une tradition. On partira d'ici dès que vous aurez tout récupéré, il y a peut-être encore des ennemis qui traînent dans le coin. Pas le temps de bavarder, hein. Ok, on s'y met, ce sera pas long. Merci. Ta 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 ta, regret et détermination. Solidarité élargie. J'ai trop. Alors, traces non identifiées. Fera mieux de suivre les traces. Effet personnel. Salut. Pin. Les traces, je les avais déjà avec le trajet de quête. Ce qui est vrai qu'il est du coup un petit peu de la triche. Il est vrai. Oh, c'est un GPS, hein. On sait où on doit aller, on trace notre truc avec notre iris. Avec notre iris. Parce que c'était dans les précédents Xenoblade, il n'y avait pas trop de d'explications à cette existence. Dans le X, il y avait la boule de pont. Bon, c'était un peu foutage de gueule également. Là non, ils ont littéralement la carte intégrée dans leur cerveau, donc à partir de ce moment-là... C'est quand même étrange, c'est que les gens de la cité l'aient aussi. Donc c'est quoi qui leur met ça? Pourquoi je peux pas? Ok, merci. C'est pas de sa sort cet iris. Cet anneau a été beaucoup porté, son propriétaire y a sans doute très attaché. Il y en a un autre par là-bas du coup. Voilà. Il y a un autre plus loin. Salut, tu sors d'où toi? On va te taper, hein, écoute. It's me you want. Il y en a deux. C'est embêtant ça. Ta 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 la. Hop. Ta 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 ta. C'est la chute. Monalo Punch. On a fait des combats, hein, dans cet épisode. On peut pas dire qu'on ne l'aura pas fait. On peut même dire qu'on a fait que ça. On a avancé sur 5 mètres. Il est vrai. On a tué un monstre élite. Enfin jaune quoi. Légendaire. On a fait le...
le raid. Mais la quête principale, rien quoi. Alors qu'à la base, c'était ce que je prévoyais. Ça se passe jamais comme prévu, c'est la base. Salut toi. Paf. Ça tape tellement ça. Ça fait éjection en plus. Bref, ça tape quoi. Ça tape sa race. Hein. Le A de Rex. Bon, en même temps, si c'est l'épée de Pneuma, c'est logique. Hein. Ça arrête à mettre tout dans Xenoblade Chronicles 2. Hein. Effet personnel. Hop. J'ai trouvé un médaillon avec ce qui ressemble fort à une photo de famille. Sérieux, le Scorpix là? Bon, ben. Scorpox, pardon. Hop. Éjection. Très bien. C'est pareil que ce qu'il l'a fait. On va quand même s'arrêter là pour cet épisode de Xenoblade Chronicles 3. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!